depuis. On l'a depuis l'épisode 2 et il évolue enfin et après on tourne la roue et c'est parti! Oh les amis, c'est Yoshikira et bienvenue dans ce 18e épisode de Pokémon version Ultra Blanche 2. En tout cas, j'espère que vous allez bien de ma part, ça va super et vous le voyez déjà dans le layout sur les 29 votes qu'il y a eu pour savoir qui vous vouliez ressusciter. Et bien c'est My Mario qui a gagné. Alors c'est parti, let's go, c'est parti. Alors dans l'objectif de cet épisode, les amis, on va essayer de faire évoluer Rasta Rocket, sachant qu'il évolue niveau 40. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, garder en vie My Mario, visiter la Tour des Cieux parce que c'est l'objectif principal de cet épisode. Et puis voilà, et après on verra bien combat, ça y est, ça commence. Donc on verra bien, donc je l'ai pas mis en tête d'équipe, c'est pour... j'ai mis les plus faibles devant pour l'instant, sachant que My Mario est en deuxième. 3 contre 1, combat trio. Ah, tu fais tes préparatifs? Ouais, oui, c'est parti. Combat trio, ah, c'est comme ça que My Mario est mort. C'est comme ça que My Mario est mort, dans un combat trio. Mime Junior, Krixik, Momartic. Ok, c'est bon, il n'y a pas le Pokémon de l'enfer. Ça me va. Niveau 35, par contre, ça c'est chaud. Ça c'est très chaud. Parce que, au point de vue des niveaux, je suis pas ouf quand même. 36, 37, 38, quoi. Donc, My Mario est le plus bas au niveau du groupe. Ok, l'attaque de... Airlock de Krixik. Oh mon dieu, c'est un Krixik de l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit... choc la mointe sur Momartic. On va faire une éruption générale sur les trois, ça c'est cool. Et Vortex Magma sur Mime Junior. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Allez, l'éruption qui est en priorité, qui est en tête, qui est plus rapide. Est-ce que ça va tout casser d'un coup? Ça serait cool. J'y crois pas trop car là c'est quand même un tiers chacun. Pouah! Sauvage. C'est pas très efficace mais... Ah, le retour de My Mario, vous avez bien voté les amis. Je suis content de le revoir. Ah là là, donc oui, j'ai échangé Camembert et My Mario du coup, car Camembert, voilà, j'ai pas envie de l'XP pour l'instant, même s'il est intéressant. Et level up pour My Mario, mais quel retour en force. Publelito, la mointe, ah ben c'est bon. C'est achevé, le combat triple, c'est fait, 2 minutes d'épisode. Next, au suivant. Krixik et Karou. Rasta Rocket 128, 128, 125, et on a battu Fillette Laura. Très bien. Je me bats en pensant à la défaite, évidemment. Bois d'autres. Donc aussi, je crois qu'on a un Pokémon de zone... un Pokémon de zone dans... Ah non, c'est peut-être par là. On s'était failli tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Lors du dernier épisode. Je voulais l'esquiver, ça là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah là là, serais-tu un Pokémon perdu? Pas du tout. Mais pas du tout. T'as rêvé, toi? T'en as combien? T'en as 2. Très bien, la maîtresse m'envoie un Drattak. Très bien, madame. Envoyez-moi votre Drattak niveau 36. Très bien. Allez, on va le travailler au corps avec la mointe. Non, Végé-attaque pour commencer. Tranquillou. Rebondi-feu. C'est pas très efficace. Normal. Le Végé-attaque, par contre, ça peut faire mal. Ouais, c'est super efficace. Le pauvre Drattak, il a pas compris sa vie. Allez, l'objectif niveau 40 pour Rasta Rocket dans cet épisode. Ça serait super. Oh oui, bah là, il est bien parti. Petit ravi. Allez, le petit deuxième VG attaque. C'est un canard correct. Oh, j'aime pas cette attaque. Vite, 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 vite. On l'a depuis quasiment l'épisode 2, je... enfin 2 ou 3 Rasta Rocket. Il n'est toujours pas mort. C'est le survivor du groupe. C'est pas très efficace, les attaques feu, mon petit. Et franchement, ça, c'est cool. C'est pour ça que j'ai hâte de découvrir en quoi il va évoluer. Il meurt pas maintenant. Non, c'est bon. Ah, allez, choc venin pour achever. Faut qu'on fasse attention. Faut qu'on fasse attention à tous nos Pokémon. Il n'y a pas de priorité. Mais voilà. Voir Rasta Rocket évoluer, ça va être super ouf. Excuse-moi, je t'avais pris pour un Pokémon. 1440 Poké-Dollars. Parfait. On voit la YouTube Money. Allez, on avance, on avance, on avance. Et on a... Merde, si, un objet. Merde, je suis allé trop vite. C'est pas grave. Alors,
Il y a une grosse cloche en haut de la tour. On dit qu'il peut sonner les âmes disparues. Oh, je croyais que t'allais nous soigner, toi. Catelaria, qu'est-ce que tu nous veux? Alors, comment s'est passé ton combat contre Carolina? Quoi? Tu n'as pas encore ton badge? C'est quoi ces histoires? Bah, avant le décollage, nous avons le temps de travailler sur le terrain. Allez, tu ne veux pas tester ça pour moi au nom de la science? Tout le monde veut que... Rasa Rocket évolue. Ok, c'est parti. Ah, mais la chance, c'est cool ça, c'est pour l'XP. Sac. 9 chances. 5 minutes d'épisode, on a 9 chances. Rasa Rocket qui est pas loin. Oui, en échange. Qui est pas loin d'évoluer, ça c'est cool. Et toi, que ne veux-tu? Voici la tour des cieux, le séjour du repos éternel. Ok. On va donner quand même une potion à, notre ami là. N'empêche, ouais, je suis vraiment content que vous ayez décidé de ressusciter My Mario, parce que c'est vrai que grâce à lui, il nous a sauvé beaucoup de fois et sa mort était un peu injuste. Donc son retour, voilà, je pense qu'il va faire largement mieux que Croaky Junior, qui après deux fois, il a été sauvé par tout le monde et on a des objets un peu partout. Bon, si on se prend pas les combats, on les fait pas. Ah, je veux l'objet. Bon, on verra après. On en a un ici déjà, c'est intéressant. Et une baie cerise. Ouais, bon, intéressant, ça reste un point de vue. Et là, hop, c'est bon. Allez, on grimpe d'un étage. Dommage qu'ils mettent pas étage 1, tour des cieux. Étage... Ça aurait fait plein de nouvelles zones. Ok, on a un objet par là. Ah, par contre, celui-là, je peux pas l'esquiver, combat. Ah, je peux pas l'esquiver, celui-là. C'est pas grave. Quoi? Tu veux te battre contre moi? Pas de problème, j'ai un Pokémon très fort. Pas Manternel. Remarque, là, on s'en fout de Manternel. On sait comment le battre maintenant. Lupio. Voyons voir à quel point il est fort dans Lupio. Niveau 37, putain, et je vais être juste pour l'arène, les amis. Je me tâte à aller monter niveau 42. La Mouinte, ça devrait le faire. Ah non, R.O. Oh oh! R.O. par contre, ça je kiffe pas du tout. C'est super efficace à ma midlife Pokémon. Allez, My Mario. Toi aussi, t'as besoin d'XP de toute façon. Je lui ai pas mis le multi-XP d'ailleurs. Enfin, je crois plus. Je sais plus. Je me rappelle plus du tout, tiens. Rayon gemme. Nesso. Les deux le coup critique. Mais d'où ça vient ça? Soin. Hyper potion. My Mario, je suis désolé. Mais quel boulet! Putain, je suis allé trop vite, j'ai soigné Rasta Rocket. Putain. Trouve l'élite, go. Putain. Fais chier. Allez, Vortex Magma. Je suis sûr qu'avec Canicule, on aurait pu le tuer. Largement. Ce n'est pas très efficace. Putain, là on a fait les combili. Ah, en plus moi je suis feu et il m'envoie des nataco mais... Ah! Putain, moi qui me réjouissais du retour de Mai. Quel boulet. On va les soigner. Sac. Putain, super potion aux fraîches. On a la 5, on en profite. Putain, double Lito, My Mario, bon sang. Ah mais là je m'excuse, là c'est vraiment moi qui ai fait le boulet. C'est bon, on a récupéré l'objet, on a une mémoire ball. Oh. C'est bon, on a esquivé le combat. On a un dresseur ici, merde. Et on a une infirmière pour soigner. Bon. Ah putain. Là, si on a de nouveau la règle ressusciter un Pokémon, je prendrai automatiquement My Mario. Hein. Enfin, sur cet épisode, hein, je veux dire. Putain, j'ai fait le con, bordel. Ah, mais vous imaginez pas à quel point là, je me mords les doigts. Choc venin. Ah, mais c'est loose total. Ok, c'est pas très efficace. Draco souffle. Putain, il rigole pas le Medina. Ah non, il m'a pas... La Mouinte. Bon, on est plus lent. Boulelec.
Ça fait mal, ça, Boulelec. Ça me fait mal, ça, je crois. Non, ça va. La moindre, est-ce que ça tue ou pas? Non, ça tue pas. VG attaque. Chute glace. Putain, il me balance 4 attaques, lui. Ah non, mais... Non, mais là, ça va me bouffer, quoi, là, c'est... Ok, 709 points d'expérience, niveau 39, plus qu'un niveau il évolue. Brazégalite! Allez, intimidation. Buldo, ta maman! Il est plus rapide que moi. Super efficace. Ok. Sac. Soin. On va y aller doucement. On va switch, on va envoyer Luna Gold des feux, je crois. Capacité. Ah, je suis feu ténèbres, donc ça sert à rien. Roche électrique. Oh, ça craint. My Mario est mort. Spectre combat. Allez, c'est parti, Roblochon. Je crois en toi. Je crois en toi, Roblochon, vas-y. Vends-moi du rêve, Draco Choc. Oui, on a évité l'attaque. Ok, on va faire un petit surf, déjà pour tester. On n'est pas puissant, mais on est défensif. Ok. C'est pas très efficace. On est plus rapide comme ça que le pire stalactite. Tempête de sable. On est plus lent, on peut peut-être en profiter sur un truc. On va essayer de faire Fulmifère. Là, Fulmifère peut nous être utile. C'est pas très efficace, toucher 3 fois. Ok. La tempête de sable nous touche, normal. Fulmifère. Allez, un gros dégât physique, ça serait bien, Buldo. Ok, Fulmifère, ça lui renvoie. Ouais, ça fait un peu plus de dégâts. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça, Fulmifère, il reste plus rapide que moi. Un petit crit là, je dirais pas non, entre guillemets. Allez, allez. Allez, on se permet un dernier Fulmifère et on se heal. Mais non! Oh putain, on l'a tenu. On l'a tenu. On l'a eu. Oh my god! Ok. Et on a battu Mario, it's me! Yeah! Here we go! Woohoo! Sac. Car je pense qu'on va se bouffer le combat à la suite. Super potion directement sur, du coup, Roblochon. Hop. My Mario aussi, bien sûr. My Mario, Rasta Rocket. Putain, j'ai envie qu'il revive, My. C'est juste impressionnant. Anti-para. Ça, c'est good. C'est good. Allez, sans qu'il nous a... Oh, Pokémon de zone. Pokémon de zone. Et un... Tout en qu'à faire. D'ailleurs, au passage, si vous avez des idées de surnoms pour les commentaires... pour les Pokémon, donnez-le-moi. Allez, Choc Venin pour commencer. Il a abri. Oh. Est-ce un vrai tout en qu'à faire? Allez, Choc Venin, on le retente. Ah, ça passe cette fois-ci, normal. Ok, il a absenté. Ah non, je le veux pas, il a absentéisme. En plus, c'est une dernière évolution. Oh putain. Détrempage, ok. Alors, il a abri, il a détrempage, il a absentéisme. Vous le sentez, ce Pokémon bien merdique? Vous le sentez? Il manquerait plus qu'il ait juste le type normal, et là, c'est le pompon. 2, 3. Yeah. On l'a eu. Plante sol. Ah, dommage, il a un double type intéressant. Allez, tout en qu'à faire, on l'appelle. Et on va l'appeler Mamie Mommy, tout simplement. Voilà, est envoyé dans la boîte 1. Plante sol, ouais, ça aurait été cool. Allez, oui, on a pu esquiver. On va... Ouais, on va prendre l'infirmière pour qu'elle nous soigne. On a 15 minutes d'épisode, tout va bien.
On a atteint pratiquement tous les objectifs et Minotaur. Ah, Minotaur pour l'évolution, c'est cool ça. Ça va être cool pour l'évolution. Ça fait de l'XP. Et on va enfin le voir évoluer après Airlock. Ok, il se prend pour un... Allez, la moindre pour commencer. Vampigraine. Ah ouais. Très bien. Ok, il ne craint pas combat. Ah, VG attaque. Machouille. Ok, allez, le VG attaque. J'ai le contre-coup, je vous rappelle. Mais c'est pas bien grave. Oh, ça a failli le tuer. C'est pas très efficace, coup critique. On va pouvoir le terminer avec... Machouille, normal, encore une fois. Putain, arrête, deux tours de... Ça, c'est risqué, là, ce que je fais. Choc venin. On est plus rapide. Oh, putain, on n'était pas plus rapide. Oh, on n'est pas plus rapide. Oui, tu. Ok. Sac. Ok, on n'est pas plus rapide. Hyper potion, on en a 19. Putain, je fais qu'utiliser les potions aujourd'hui. Tu la mérites pas trop. N'empêche cette évolution. Tu t'es soigné à la place de Mai. Enfin, c'est moi qui ai fait l'erreur, mais bon. Ah bah oui. D'où le contre-coup d'ailleurs. Super efficace, putain. D'où il y a le contre-coup. Ah bah oui, le soin. Le... Ah mais il va me tuer. On retente. Hyper potion. S'il se reconcentre pour faire Mitra point, c'est pas juste. Putain, on se rebouffe. On n'est pas plus rapide, c'est ça le souci. Et il fait terriblement mal. Coup critique, super efficace. Allez. On l'attente cette fois-ci. Et il va en placer 3. S'il en remplace, là, je suis dégoûté. Je switch et... Ah non, mais on va pas se rester bloqué sur un truc comme ça. Ah, ça fait... Il se fait encore un Mitra point. Il n'y a pas un recul sur Mitra point. Oh, c'est bon. C'est bon. Là, mis à part s'il nous fait un crit... Oh, il s'est quasiment heal en entier, bien sûr. Ah bah, il s'est heal en entier. Ok, attaque. VG attaque. Machouille, ok. Ne me paralyse pas. Putain, oui, mais je suis con, j'ai le contre-coup du... C'était un coup critique tout à l'heure. C'est une blague. C'était un coup critique tout à l'heure. Oh putain. Non. On switch. Pokémon, tu ne mourras pas. Lunagold en avant. Montre qui est le patron ici. Ok. Putain, mais... D'où tu les places? Allez, envoie ta canicule. Vampigraine, allez. Replace-les. Putain, ça serait bien de le tuer, là. Là, il commence à m'inquiéter. C'est pas très efficace, mais c'est suffisant. Allez, Luna, là, t'es la meilleure. Ok, 931, 1380, ah, n'aurait cru. Bon, elle nous les soigne, ça c'est cool. Hop là, ça c'est gentil. C'est chaud. On va aller jusqu'à l'évolution. On va enlever My Mario de la position 2. On va mettre Luna là devant. Ordre. Vu que My Mario, je vous rappelle, il est mort le petit. Ok. Paf. Allez, on monte. On a eu le Pokémon de zone. Oui, on a eu le Pokémon de zone. Putain, on a un objet ici. Pokémon. On va voir l'XP. Chétiflor. Mais ça XP pas beaucoup, ça, un Chétiflor. On tente juste un VG attaque, si ça marche pas, ça le tue pas, ben... On fuit. Allez, l'évolution. C'est bon, allez, ça fait XP, c'est cool. 370, c'est toujours pas suffisant. De toute façon, on a un combat qui nous attend juste ici. Ah, merde, j'ai voulu esquiver, je me suis mis à courir. Ah, j'accepte d'affronter ton équipe de dresseurs d'amateurs.
amateur? Tu me traites d'amateur? Non mais, tu blagues. T'as qu'un Pokémon Pedro. Ok. Ok, bon, j'ai rien dit. Pokémon d'amateur, très bien. Il a début calme. Ça va, on a le temps de placer 2 VG attaque, le faire évoluer. Ah ouais, Papillodonce. Ouais. Ouais, Papillodonce, jugement début calme et contre-coup. On va avoir de la perte là, les amis. On va avoir de la perte, de la très grosse perte. Ok, Luna là, c'est bien, t'as évité. Allez, canicule. Allez, défonce-le, ce Rigiram. Ok, c'est super efficace, continue. Synthèse. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Mais c'est pas grave, on va s'arrêter après ce combat. C'est pas grave. Allez, Luna. Le petit crit, le petit burn, ça serait bien là, ça ferait méga plaisir. Putain, mais il a des buts calmes aussi. Putain, deux Papillodonce. Ok. Ok, ça y est, il se lance. Pied brûle. Putain, canicule, c'est... Putain, ça va plus faire grand-chose, ça. Est-ce que j'ai une attaque qui enlève les... Troisième... Il va être monstrueux. Allez, brûle-le! Pied brûleur, il craint le feu. Merde. Ouais, mais je suis pas physique, moi. Jugement, je sais plus si c'est physique. Putain, Luna, là. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Résumé. Ça va être chaud. Pouglélito, let's go. Vortex magma, on reste sur le feu. Moi, j'augmente ma vitesse, c'est génial. Ah non, c'est mon attaque. Allez, vortex magma, jugement. Putain, il va tous me les faire. Voilà, la 4 Papillodonce. Ça pardonne pas. Ok, c'est pas très efficace. Putain, on va peut-être le tuer. Okay, il est pris par le tourbillon. Putain, j'espère qu'il va pas se heal. Quoique avec synthèse, on va pas aller loin. Sac. Allez, Poubellito. Oh putain, je voulais pas l'affronter lui. Jugement. Le titre, ça sera le jugement dernier, je crois. C'est bien, il se blesse dans les flammes. Le souci, c'est qu'on n'est pas plus rapide. Soin. C'est qui a l'attaque Magpunch? Je sais plus qui a Magpunch. Non! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Vortex Magma, ça va le tenir. Ah, ça le tient toujours. On est concentré. Vortex Magma, c'est son piège. S'il nous refait des Papillodonce, on est mal. C'est ça le souci. Il suffit que je dise ça qu'il le fasse. Allez, fais deux Papillodonce, ça me... Ah ouais, mais il continue à augmenter sa DFP. Il continue à monter sa DFP. Non, ça va. On le tue. Sur ce tour, on le tue. À part s'il nous fait un jugement et là, on est mal. Poublélito meurt. D'accord. Oh! Oh! Oh, mais oui! Poublélito, t'es le meilleur! Et Rasta Rocket va évoluer! Oh mon dieu! Oh oh oh, tu te débrouilles plutôt bien! Putain, on a eu chaud. Et on l'attend! Depuis! On l'a depuis l'épisode 2 et il évolue enfin et après on tourne la roue et c'est parti! Rasta Rocket évolue enfin! Qu'est-ce qu'il va nous donner?
va tourner la roue. Ok les amis, je vous affiche pas du tout mon dégoût, on a perdu My Mario, Rasta Rocket est devenu un barpo. On va avoir juste après la roue son type, mais... Et on a perdu Luna Gold aussi. Ah là, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, mais à mort. Sommeil éternel. Ok. Bon, on va quand même voir le type de barpo, s'il est intéressant. Donc, les prochains épisodes, ça sera Sommeil éternel. Ça me va. Donc, Rasta Rocket, avec ses 4 points de vie, là, de merde. Il est de type insecte et feu. Ok, très bien. Donc, il a fuite. Putain, il a perdu toutes ses stats. Oh. Mon dieu, mais comment il évolue Barpo sur Noir-Blanc et Noir 2? Bon, bref, on le verra sur le prochain épisode, les amis. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu pour le Barpo. Hein. Je suis désolé pour Luna Gold et My Mario qui sont morts. Bon, My Mario très bêtement, mais Luna là qui s'est bien défendu. On se retrouve très vite pour la suite, l'épisode 19, les amis. Allez, sur ce, portez-vous bien. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à rejoindre la Yoshi Family. À me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je suis le dégoût, mais je vous aime. Allez, sur ce, les amis. Peace.